madame. Bonjour, messieurs, dames. Dites-moi, madame, est-ce que vous faites quelque chose de spécial pour les personnes du troisième âge? Eh bien oui, nous les réveillons à la fin du spectacle. Très très mal. Mal? Mais ma femme m'a quitté. Alors tu vas t'en faire pour des choses pareilles. Une de perdue, 10 de retrouvée, mon vieux. Tu dois sortir, voir des amis, t'amuser. Allez, hop là. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Mais enfin, si ça pouvait m'arriver à moi. Mais allez, du courage, mon vieux. Du courage, s'il te plaît, je t'en prie, je vais t'aider. Hein, du courage. Mais c'est pas vraiment ça. Et qu'est-ce que c'est alors? Mais, en fait, je n'ai pas de chagrin. Oh. Eh bien, monsieur, je vois que vous n'êtes pas un gentleman. Mais mademoiselle, je puis vous assurer qu'après ce que j'ai vu, vous n'en êtes pas un non plus. Oh chérie, si tu savais, depuis que je fais du sport ainsi tous les matins, je me sens en pleine forme pour travailler. Tu ferais mieux de courir le soir aussi. C'est fou, chérie, ce que le vin peut te transformer physiquement. Je n'ai rien bu. Mais moi, si. Madame, quel est votre problème? C'est pour deux molaires complètement pourries, madame. Oh, oui. Il faudrait les extraire, mais sans anesthésie. C'est possible. Non, c'est absolument... Qu'est-ce que vous me demandez, là? Non, c'est absolument nécessaire de le faire sans anesthésie. Sans anesthésie? Oui. Je peux compter sur vous? C'est difficile, mais si vous le voulez, oui. Merci. Mon chéri, viens, madame t'attend. Je passe pour vous demander si vous n'auriez pas des dons pour les hommes de l'entité. Oh, madame, j'ai tout ce qu'il vous faut. Marcel, fais ta valise, c'est pour toi. Rires.